Joan Martinez aussi qui l'a brillé. De Joan en cinquième position qui prend un départ beaucoup plus sage. Allez, Domi, allez! Sort de la base. Avec le départ extrêmement rapide des coureurs du ZDV de Tarbes là, qui sort avec Jérémy Montagnon en deuxième position. Coureurs qui sont en train de se battre ici sous les platanes. L'année dernière de faire la différence. Voilà, Jeff est en train de creuser l'écart. Il a déjà pris le devant avec Maxime Larose ici derrière, obligé de se lancer à la poursuite de Jeff Lassalle, deux des grands favoris de l'épreuve, avec Alain Guerre qui est là, avec Adrien Dejean aussi, vainqueur dimanche dernier à Schiss, qui est obligé là de faire un gros effort. Et on assiste déjà à une belle bagarre, alors qu'ici on retrouve le peloton des troisièmes catégories avec la tapis qui vient de passer là avec Manu Best, en particulier le grand Douro Cadet. Voilà, Jeff Lassalle, non, Jeff Lassalle toujours en tête. Jeff Lassalle qui fait l'effort, qui stabilise Adrien Dejean avec le maillot jaune et rouge de Tarbes, derrière Maxime Larose, Adrien Dejean qui relance l'allure. Cet homme de tête avec Michel Bonzon et toute sa puissance, qui emmène Fred Pestana, le coureur du Lavedan, salisien François Champagne qui emmène derrière à la poursuite avec Dominique Marie. Petit Vitry qui a terminé aussi de sa 124, qui a terminé et qui a été au bout du bout. Allez Xavier, Xavier Labia, toute la puissance, qui essaye de relancer le livre, mais à la barre vraiment avec Adrien Dejean qui est là, oh, qui va se retrouver. Adrien peut-être bloqué un petit peu dans le trafic, dans le sous-bois, avec Maxime Larose. Bravo, bravo, papa, il a tout.